Salut tout le monde, c'est Mario Video 44. Bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du WT de Paper Mario 64. Mais juste avant, on tenait à s'excuser parce que là, dans la vidéo qui va suivre, là, un très très gros bug de son. C'est-à-dire, on nous entend parler, mais on comprend pratiquement rien ce qu'on dit, quoi. Et le son du jeu aussi là, est complètement bugué. Et donc, vu que c'est un RPG, on peut pas revenir en arrière, donc on n'a pas pu retourner la vidéo. Donc, bon, on vous prie on espère que vous nous pardonnerez ce petit bug. Et donc voilà, on vous dit à la prochaine. On espère que quand même la vidéo vous plaira. Et donc voilà, allez, ciao tout le monde, c'était Mario VO 44, à la prochaine. Hey, salut tout le monde, c'est Mario VO 44. Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sortie de l'épopée de Paper Mario 64 sur les militaires. Nous sommes en 64 récupérations de cette chaîne. Merci de chaleur, c'est une bonne chaleur. Allez, et donc aujourd'hui, on va vous expliquer. Bon, c'était arrêté, c'est un peu logique, alors on va le parler. Et vous savez, le désir est rouge. C'était que tu prends par une journal, Il y a des journaux de Babi, ils apparaissent en enfer et volent des pièces. Il y a de nombreuses raisons, mais que c'est bien l'impression qu'il y a un moins de mort dans le désert peut-être pas calé. Et tu sais quoi? C'est une chance que tout son s'affaisse. Si tu m'as dit de partir de la sortie de la ville, tu trouveras une oasis, elle est super. Tu es plus sympa. Et si tu veux t'y reposer, c'est le meilleur endroit où aller. Tu veux savoir où tu es? Tu ne regarderas pas si tu veux. Bon, alors, on va y aller. Alors, il a dit si on va au sud, à partir de la sortie de la ville. Oh. Alors, attention un peu. C'est un super bloc. Il augmente le niveau de l'un de vos compagnons. En gagnant un niveau, il devient un professeur. Vous utilisez également le niveau de l'unité. Lequel de vos compagnons voulez vous renforcer? Alors, je vais renforcer. Non. C'est pas mal, attendez. Bon, on va refaire du bail. Oui. Le Mario passe au rang super. Voilà, le Mario est donc au rang super. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est une pub, excusez-moi. C'est une pub pour la mini. Donc voilà, il y a pas de. Combien de temps dans le Silver Star si vous avez joué au jeu enfin, si vous avez regardé, si vous regardez le truc de l'autre côté, le monde du désert et l'Oasis. Si vous voulez savoir comment il faut passer, vous allez voir le Water. C'est quoi ces bugs? Attendez. Pourquoi il y a une musique? Mais pourquoi tout bug là d'un coup? Ah non, ça vient pas. Alors attendez, je vais faire un save state. Hop, et je vais quitter. Ouais, j'ai pas le choix pour l'instant. Je vais prendre quelque chose là. Attendez. Ouais, attendez, je vais régler le problème de son. Ouais, désolé, je sais pas ce que c'était. Il y avait une pub encore de la Wii Mini. Là, je sais pas ce que c'était là, mais bon. Alors, et double quoi? Tu as 3 points au sud et 2 points à l'ouest, tu trouveras quelque chose de spécial. Mais je ne sais pas où se trouve le bouton si tu veux que je le trouve.
Alors, trois fois, on tire là, trois fois au sud et deux fois à l'ouest, c'est ça qu'il a dit. Bon, tire, je vais retenir trois fois au sud et deux fois à l'ouest. On va trouver les surfaces qui sont plus petites. On est ici. Mais il y a du chemin, je crois. Oui, je sais, c'est un peu le même. Et du coup, c'est là, non? Oui, non, c'est un peu de quête à l'excuse. Ah! C'est bon, bah, alors. Donc, il y a les trois points aussi. Oui. Donc on va aller retourner. Faites une bonne comme ça, donc on va le faire. Oui, c'est quoi ça? C'est rien. Je savais pas du tout. Par contre, alors, c'est la vie, j'ai un mur. C'est un bon dire. Il se colle violemment à toi pour te faire tes. Pour faire les poches. Il fait 10 pieds sur max. Et si max 5, ils sont venus défoncer eux. Il s'approche sérieusement et se saute dessus d'un coup. Si tu le castagnes bien, il y a un moyen de récupérer ce que tu as tué. Alors, ils ont envie de t'arrêter. Après, c'est pas chiant. Chiant, mais pas. Ok. Et voilà les bras. Il y a un cactus maléfique. Il attaque une mission de tour. Il est parti de mon tour ou en tout cas aussi. Plus c'est max. 4 puissance 2. Défense et l'autre. Et quand on est plus grand, c'est pour défense et pour aussi. Ils ont aussi la fâcheuse habitude d'appeler du renfort du plus rapidement. Ah non, c'est le fait de défense. Non. 4 puissance. Moi je me rappelle à l'époque quand j'avais tout ce temps, j'étais allé partout. Et quand j'étais parti, j'allais dire vraiment partout, j'allais tout explorer quoi. T'es obligé qu'il y ait un total explosion quoi? Non. Ah, mais c'est pas. Et aussi, enfin, les premiers commentaires sont les nouveaux. Si je peux aller là-dessus, enfin. En plus, tu sais, je sais plus le moment où tu sais. Ok, mais je sais pas faire, hein. Oui, je peux voir. Je peux aller faire, je sais.
le truc qu'on a eu là, fallait lui donner ça à ceux qui demandaient des cadeaux la dernière fois. Qui demandait des cadeaux dans une espèce de porte. Ah oui! Et les mille fois, tu peux pas dans les sens 3 à 4 plus de pièces. Et tu sais bien, je vais faire le jeu, d'accord? Et du coup, je sais une chose que peu de gens se fassent. Si tu lances les mille fois, tu vas le faire. Et tu sais, tout ce que j'ai pris, il y a des arbres dans le désert qui ont poussé un triangle. On m'a dit que si tu sautes à l'intérieur de ce triangle, tu trouverais quelque chose de carré. Mais je ne sais pas où ces arbres poussent, le désert est gigantesque et je ne sais pas tout ça là. Et tu veux savoir quelque chose d'accord? Mais en fait, je sais une chose, c'est genre, mais c'est pas. Ça donne un badge, je crois qu'on va les voir plus tard, et de toute façon, on ne les pas se voir en même temps, donc on les prendra au passage. Caprice, c'est qui le maître du quiz qui nous fait un peu? Tu veux essayer le quiz? Oui. Tu veux prendre un petit sujet de quiz parce que je suis dur. C'est pas pour la question. Question. Je peux cliquer sur le bloc que tu peux briser avec le premier marteau. C'est bon. Hésitation. Je vais recommencer avec le. Et voilà. J'ai bien répondu à deux questions jusqu'ici. Bonne chance pour la prochaine fois. Et ben, à la prochaine fois, on va. Je devrais reprendre par un coupé, là, parce que là, tu sais, à partir quand tu passes devant tout le monde, je vais le. Oui, mais là, il n'y a pas de. En fait, la lettre. Pour faire, c'est une lettre de quelqu'un, tu vois. Bon. J'ai. Ah ça, c'est à Merlon. Et ça, c'est à Gumpa du village du. On est distribuant, vous avez. Oui, peut-être. Quelqu'un qui fait des cadeaux, c'est quelqu'un de bien. Ils ont... on va lui donner un souci. Ah, tu m'as fait un cadeau, tu es bien gentil. C'est très gentil, tu m'as fait un vrai cadeau. Oh, pas les étoiles, c'est mon fruit préféré. Tu as été bien gentil en me donnant un secret. Qu'est-ce que je suis gentil, je vais te dire ce que. Alors, on va créer un spécial, attendez, je prends un seul de pied, parce que c'est un seul de pied. Alors, mon, où trouver mon, ma propre maison, où je trouve Mustapha. Alors, où est Mustapha? Regarde la boutique de cette ville. Et je trouve, c'est plus ici, puis un marteau rouillé. Tu dois les acheter dans cet ordre, alors c'est bien plus d'avoir un champion séché, puis un marteau rouillé. Parce que c'est que, connu ce mot, dans le pays de Mustapha. Tu achètes tes objets dans le bon ordre et tu ne crées pas de manière que les soins blancs ne sont juste à faire. Si vous faites un bon ordre, tu n'as pas de temps que tu achètes des objets. Si tu as des informations, tu dois me donner tout ce que tu as. Alors, je vais te dire. Non, non, c'est pas là. Mais les soins, en fait, ils ont pas de temps. Alors, un chevet séché et un marteau rouge. Un champi séché, ici, et un marteau rouillé. Quoi? Tu as acheté un marteau rouillé après un champi séché? C'est ici de la connaissance des amis de Mustapha, je veux dire que c'est son ami. C'est lui mon frère. Tu as besoin de lui, tu veux se dépister? Tu veux voir monsieur Mustapha? Je vous fais une section à des élus du campement 7-7. Grande qu'il a au mon ami. Beaucoup mieux. Mais tout à l'heure, si tu ne voulais pas parler, tu nous as pris dans l'air ou quoi? Je sais pas. J'étais tenté de signer en fait que dans la même vidéo, mais. Ouais, je sais pas, c'est un peu. Ah, c'est un peu. Il m'a pas compté là-haut. Une lettre. C'est vrai. Bah, non, c'est pas aussi. Je vais dire que vous êtes directement qui est-ce alors ici. Un nomade. Ah oui, je sais pas si vous savez où il est. Qui est nomade la souris là. C'est celui qui est sur le chemin. Ah oui. Elle est de loin, non? Et voilà, c'est lui. Et mon ami,
Comment tu te trouves? Je suis heureux. C'est lui, ta femme. Je suis celui que tu as cherché pendant tout ce temps. Quand je me promène, je me sers du nom de Spirit. C'est toujours bien de connaître des gens gentils. J'ai rencontré de nombreuses personnes, mais c'est vraiment bien peu la plus gentille. Tu t'appelles Mario, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu allais dans les rues. J'ai le sentiment que tu as que ta quête est fort importante, alors je vais te dire un secret. C'est un objet très important, des ancêtres ont surveillé pendant des générations. Si je ne protège pas les ruines, qui le fera? Tu dois lui promettre que tu garderas un monstre. Tiens, prends ceci. Vous avez trouvé la pierre magique. Cette pierre magique t'aidera à trouver les ruines. Emmène-la dans le désert. Oui, prenez ton mal de ce côté, et tu t'approcheras vers lui. Elle te sera inutile, alors suis-la, là où elle t'amènera. Prends la main, mais prenez que c'est possible de se retrouver dans le réseau de passage. Donc, c'est-à-dire, il va falloir qu'on trouve, donc du coup, on va aller trouver, et c'est au rond de cette première société. Alors, on va commencer par communauté, puis on va aller vers lui, quoi. Mais tu peux lui donner la lettre au passage? Oui, c'est fini, un peu. Et comme dit, je me rappelle plus trop seul, donc Amis voyageurs, je suis en plein voyage, comme vous le direz. C'est déjà arrivé. Vous êtes bien loin, madame la tour. Je sais pas, attendez, je livre le courrier. J'ai une lettre pour vous. Bonsoir. Et une autre lettre arrive à destination. Et attends. Une lettre pour moi, juste après, j'ai déjà entendu sur la main, je ne l'aurais pas entendu. Merci bien, en tout cas, je suis surpris que tu n'aies pas, que tu m'aies trouvé ici. C'est très précis, madame la tour, alors. Fais bien attention. Eh bien, tiens, pour te remercier. Je dis pas, prends-le. Mais j'ai déjà fini que c'était vers le haut, donc. Ah, mais c'est comme ça. Ah, ça va, ouais. Oui, ça va être plus long, donc. Oh, bon, je vais me barrer de là, on va se mettre à peu par là. Ah, bon. Ok. Ah, bah, c'est là. Qu'est-ce que je fais? Et bien voilà les ruines s'acceptent. Tiens, recherché. Voilà. Alors. Ok, je peux bouger. Là, on va dans la carte, pareil. Alors. Oui, j'y vais. Ah, on a encore les bases déjà s'acceptent. Hein. Je n'ai pas encore les bases. C'est normal, on n'est pas encore retrouvé. Blablabla!
C'est le terrible tuto copain, venir le seigneur du désert. Et où ai-je posé pied dans mon palais, par le mortel? C'est ce lieu maudit, on soit damné pour l'éternité. Et donc voilà. C'est que je suis et c'est quoi? On ira dans la prochaine vidéo. Et bon, voilà, donc on est dans les runes sexuelles. Elles sont apparues d'une façon bien mystérieuse. Il semble qu'un esprit étoile y soit séquestré. Donc voilà, alors on se revoit dans le prochain épisode. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Allez, ciao, tout le monde, je vous remercie. Bye bye.